Alors ce matin, réglage de l'avant. En plus, c'est très facile. Il faut aligner le repère sur le carter et le repère sur le volant, comme ça. On desserre les deux vis légèrement. Hein. C'est comme sur le TY, celle-là et celle-là d'un quart de tour, on va dire. On insère une feuille de papier à cigarette entre les contacts. Et là, il y a un excentrique entre les deux, là. Juste entre les deux vis, là, il y a un excentrique. Et on le bouge, on serre ou desserre, jusqu'à temps que le papier à cigarette vienne tout seul en tirant comme ça. Bon, ça s'est passé nickel. Rien à dire, c'est facile à faire. Et en plus, ils disent que le 0,3, 0,4 mm, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, donc j'en suis à la recherche du pourquoi de pas de compression. Et ben voilà pourquoi. Il y a trois segments. Les trois segments sont collés à fond de gorge. Alors collés de chez collés. Hein. Là, pour le moment, j'ai mis du WD-40. On verra bien ce que ça donne, après je vais le sortir le piston. L'important au remontage, c'est de ne pas mettre les trois ouvertures de segment ici alignées et surtout en face de l'admission. Donc une là, une là, une là, ou les trois en face, et surtout pas les trois là. Et ce que je vous raconte, ben, c'est ça là. Vous voyez ? Le biseau là, là, là et là ils sont. Allez, je vais essayer de décoller ça. Après on verra. Sortie non sans mal de l'axe du piston. Ça fait une heure que je bataille là. J'ai coincé de chez coincé. Mais enfin j'y suis arrivé. Le roulement aiguille. Et je vais tâcher de décoller les segments. Un petit bain de xylène, une espèce de dissolvant, juste à hauteur des segments, et on verra bien après. Et en attendant, je vais m'occuper de fermer ça pour pas qu'il y ait trop de saleté qui rentre dedans. Et je pense que de toute façon, les segments, ça sera impossible à décoller, sans casser surtout. Donc l'aventure sur l'ex ne devrait pas aller bien loin.